400 ans d'histoire québécoise et vous savez rien du tout à date. Alors, je vais vous faire une petite leçon d'histoire 101. Ça, c'est au Québec, le niveau d'histoire 101, 201, 301. Alors, on va commencer par le début. En 1608, Samuel de Champlain, un Français, est débarqué avec ses troupes en Amérique sur une terre qui s'appelait le Québec. En algonquin, ça veut dire là où le fleuve rétrécit. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh, 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 aujourd'hui, un seul regard nous a suffi. Mon horoscope me l'avait prédit. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. C'est ceux qui m'ont jamais vu en spectacle, n'ayez pas peur, écoute. Je suis une drag queen gentille. Je sais qu'en général, les drag queens sont pas fines. Moi, je suis parfaite, je suis bitch un peu, à peine, beaucoup, énormément. Et en fait, en France, on dit pas bitch, je pense qu'on dit garce. Moi, je suis pas. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie du spectacle. Comme je dis toujours au Québec, êtes-vous toujours en forme? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? En les deux ensemble, voulez-vous coucher avec moi? Moi je mange, il y en a qui courent les dégos, moi je mange, il y en a qui rêvent au pays chaud, moi je mange. Quand je suis tanné, moi je mange, comme un bébé, moi je mange. Quand je suis heureuse, moi je mange, quand je suis nerveuse, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis complexé, je me trouve pas même sexé. Quand je me regarde de profil dans le miroir, j'ai le cachet au fond d'une armoire. Ah, tu vas plus danser, tu vas plus chiquer. Ça va bien dormir tranquille. Yeah! Alors faut que je chique comme les Québécois chiquent. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les Anglais sont débarqués aussi en Amérique. Ils voulaient s'approprier les terres, eux autres aussi. Fait que là, il y a eu de la bataille. Et d'ailleurs, il y a une bataille très célèbre dans l'histoire du Québec, il y en a une seule. Mais elle est restée très célèbre parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Oui, croyez-le, croyez-le pas, la bataille des plaines d'Abraham, vous connaissez bien votre histoire. Et savez-vous combien de temps que ça a pris aux Anglais pour défaire les Français? Une demi-heure! Il dit trois jours. Non, une demi-heure! Trois jours à s'en remettre peut-être, mais une demi-heure. Parce que les troupes de M. Montcalm est en train de picoler et de s'envoyer en l'air avec les filles du roi. Vous comprenez, j'aurais fait la même chose. Et sauf qu'à cause de ça, là, l'Amérique est anglaise. Ouais, à cause de ça, à cause de vous autres, on a les Américains, sa planète. Nous autres, on est pas gagné. Elle s'appelle C'est une petite sorcière. Elle vole sur son balai. Ça va plus vite qu'on chante. Elle arrive tout droit du bon pays. Son peuple, on est le roi. Je prends le temps
n'en fais pas, Fernando. Parce que la fille que tu aimais tant t'a abandonné. Ne sois pas si triste, Fernando. Si elle t'a quitté, c'est qu'elle ne méritait pas de t'aimer. Mais arrête tes grimaces, tu n'es plus un enfant, mais un homme à présent. Et écoute, c'est pas long.